Il n'y aura plus qu'à mettre le plein, à faire le plein à un moment ou à un autre. Rien ne nous empêche d'essayer de trouver une station-service avant de prendre la mission. Est-ce qu'il y en a une dans cette ville de station-service sans être obligé de faire 3000 km? Ouais. Ou alors on prend le chargement et on s'arrange pour passer par la station service. Hop. Et on va livrer un bateau. 7 tonnes. Ça va. Tranquille. Et on va dans l'Utah. On va traverser l'état du Washington, de l'Oregon. Une partie du Nevada et on va traverser l'Utah pour aller livrer un bateau à Vernal. Voilà. Allez, on y va. On va aller charger ça. On y On y va. va. Tournez à gauche. Préparez-vous à tourner à droite. Ouais, hop, on va charger. Tournez à droite. Autant quand je suis avec la remorque et donc chargée. Tenez à droite. J'ai les freins qui sont plutôt bien réglés, je les ai réglés en fait pour ça quoi. Et du coup quand j'ai pas de chargement, ça freine fort. Allez tout droit. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. En ville comme ça, la plupart du temps, tu peux être sûr que t'as une voiture devant toi et du coup, tu peux pas aller à droite. T'es obligé de t'arrêter quand même au feu. Parce que là, théoriquement, il n'y aurait pas la voiture, j'aurais pu y aller. Préparez-vous à tourner à gauche. Mais les Tournez à voitures, elles gauche. prennent l'argent quand même.
Tournez à droite. Tournez à gauche. Nous y sommes, sains et saufs. Alors, allons-y. Il est où, j'ai bateau? C'est parti. Alors, par où il nous fait passer? On va direct par là. Oui. Ah, bah, il y a une station sur la route là. Oh, bah, on va faire un petit arrêt par là avant. Pardon. Pardon. Ouais, on va faire ça. Ça sera plus simple. 2160 bornes. Ça veut dire qu'on a de la route à faire. Allons-y. Mais bon, ça va relativement vite quand même sur American Truck, dans le sens où, comme les limitations de vitesse ne sont pas les mêmes qu'en Europe, et qu'on peut rouler plus vite qu'en Europe, du coup, ça, on a quand même, faut dire ce qui est, un peu un gain de temps. Alors, peut-être pas là sur les premières routes, parce qu'on va être limité à 101 maximum, même si c'est déjà 100, c'est mieux que les 90 qu'on a en Europe. Mais après, on va avoir des routes où on va certainement être se retrouver à rouler à 105, 100. Tournez à droite. Plus de 113, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a. Il y a 121, 129. Préparez-vous à tourner à la gauche. Tournez à la gauche. Je fais gaffe parce que la voiture elle s'avance assez facilement. Oh putain, pardon. 15 tonnes le bateau quand même. Non, 7 tonnes, pardon, c'est en livre. Et il faut le livrer pour samedi. Ok, bon, on va essayer de...
de faire ça bien. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Ça va, il y a de la marge. Bon, par contre, les feux, c'est long. Le stream est fluide, mais il va neiger. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Je ne sais pas pourquoi, mais il est fluide. Il a dû se passer quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais il est fluide et ça, c'est cool. Du coup, je vais pouvoir balancer la deuxième partie sur YouTube. Et ça sera la première fois qu'il y a du chant d'œuvre. Quoi? Ah, ben voilà. J'avais eu du bol tout à l'heure. Et ben c'est fini. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Non, je vais pas tourner à droite puisqu'il faut que j'aille me poser. Recherche d'un nouvel itinéraire.
Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Allez, on va faire le plein. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Pardon. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Recalcule. C'est beau quand c'est fluide. C'est bien. Je suis content, pour une fois. Je comprends pas pourquoi la première partie n'était pas fluide et que la deuxième l'est, mais tant mieux. J'aurais envie de dire. Allez, on repart. Normalement, on a le plan hein, pour aller jusqu'au bout. Tournez à droite. Oui, je suis monté sur le trottoir quand même, j'ai mal pris mon virage. Allez, cette fois c'est la bonne. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Il y aura des arrêts dodo à faire, mais on est tranquille.
J'aurais pu mettre un peu de zik, effectivement. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si on aura de l'autoroute tout le long ou si ça va être avec des alternances sur des routes traditionnelles, on va dire. Je sais pas comment ils disent là-bas. Sinon, on aurait dit une départementale ou éventuellement une nationale, une départementale plutôt. Façon, au niveau limitation de vitesse, que ce soit Tenez la gauche. une autoroute ou pas, ça renvoie 7 camps et moi. Du coup, j'ai pas changé le titre. J'ai pas changé le titre alors qu'on n'est plus du tout. Plus du tout. Là, on fait Bellingham Vernal. Parce que je pensais que la route était suffisamment longue pour qu'on ne fasse que Hornbrook Bellingham. Mais non, finalement, on va peut-être pouvoir faire les deux. J'ai une autre partie avec comment? Parce que là, je conduis un Kenworth T680, donc plutôt Tenez la moderne. droite. Plutôt moderne comme camion. Et j'ai une autre partie où je conduis toujours un Kenworth, mais le W900, qui est Tenez la gauche. ce qu'on s'imagine quand on voit les films américains, c'est-à-dire avec l'allure rétro, très carré, très. Il est pas mal, hein. J'aime bien. Tenez la gauche, puis continuez tout droit. Allez tout droit. Bon, on va peut-être avancer là parce que les mecs ils traînent. Hein. Tenez la gauche.
Ouais. Je me... Il n'y a pas du gros poids sur ce camion-là à l'arrière, tracté. J'ai remarqué qu'il était un peu, il y avait un peu de jeu dans le train avant. Dès qu'il y a du poids, bizarrement, ça va mieux. Mais là, il y a 7 tonnes. Et du coup, ben, il y a du jeu, dans, enfin du jeu. Ouais, je sais pas. La direction, elle est bizarre. La tenue de route, elle est bizarre. Alors que quand il y a du poids à gogo, impeccable. Là, on va tous se les faire. On n'a pas eu un seul tout à l'heure. Mais là, maintenant, on va tous se les faire. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Forcer un peu le passage hein, parce que sinon on n'y va jamais. Hein. Puis au pire, il décale sur la gauche et puis on double. Régulateur à pas se caler à la vitesse que je lui dis de se caler. Petit ralentissement de temps en temps.
Tenez la droite. Tenez la gauche. Grigory. Violence. Des pertes là, c'est bizarre. Réorientation. Je vous dis qu'on va tous les faire.
pas. Vas-y, lui il va pas. Moi j'y vais. Et toc. Et merde, quel con. J'ai freiné parce que j'ai vu la voiture au dernier moment derrière moi et j'étais persuadé que j'allais me la taper. C'est le merdier là. Voilà. Ça me saoule là. Pourquoi ce soir j'ai des pertes comme ça de temps en temps là, des espèces de fiches là, du jeu. C'est chiant. Donc le stream est fluide, mais à la place j'ai des ralentissements dans le jeu, c'est ça? Puis quand le jeu il est nickel, c'est le stream qui est pas fluide. Avec des vraies limitations de vitesse, quoi. Tenez la droite, puis sortez à droite. Ah, j'ai oublié d'enlever la bride. Merde, con. Sortez à droite. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Ouais, trop freiné. Alors attendez, hop, juste 2 secondes.
En fait, on peut y aller, mais que si on gêne pas la circulation, hein, bien sûr, à droite. Hein. Et oui. Un peu comme un céder le passage, au final. Ça, on ne sera pas bridé à 105 km/h, on pourra rouler aux vitesses autorisées. Wow.
C'est sinueux, dis donc. Et bah heureusement qu'il n'y avait rien à faire de toute façon. Enfin, personne en tout cas. Parce que là, j'ai bien cru que j'allais lui rentrer dedans. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Eh ben écoute mec, ça tombe bien, il y a une aire de repos là. On va s'y arrêter pour faire dodo du coup. J'avais gardé mes phares allumés alors qu'il fait plein jour. Bon, bah voilà. C'est l'heure du dodo. Et du coup, c'est l'heure de la pause syndicale. Voili, voilou. Voili, voilou, voilou. C'est lequel des deux? C'est celui-là. Non. 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 Non, je suis bête. Je le dis tout le temps hein, qu'il faut que je me les note, mais je les note pas. Donc c'est celui-là. Voilà. Allez, à tout de suite.
Me revoilà. Même si on est en pause, on peut encore causer. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je suis attendant. Alors, hop, ouais, je me mange une petite barre de céréales en même temps. En même temps que c'est la pause. Ça. Ouais.
Allez, on va couper ça et on va reprendre la route. On chausse les lunettes. J'ai coupé le micro en fait. Voilà. Ça allait bien. Allez, on y retourne. C'est parti. Hop. Allez, go. Merde. Ça va pas marcher. Ah ben non, mais c'est vrai. Quoi, du coup, il me prend pas en compte là. Sérieux. Allez, donc on repart de nuit, hein. Et on doit arriver. Pour l'instant, c'est bon, 1300 bornes, 1400 bornes, quoi, il reste à faire. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. On s'est retrouvé dans la forêt là. C'est cool, ça va nous changer un peu du désert. Pardon. Il y a du virolo, il va falloir faire gaffe. En multi, j'ai failli m'en encastrer un. Je sais plus si c'est cet après-midi ou hier soir. Peut-être hier soir. Je sais plus. Ouais, peut-être hier soir, en off.
Je dis en off parce que juste avant. Ah bah non, j'étais pas en streaming. Hein. Donc c'était forcément en off. Bref. Ah, il est arrivé, mais comme un mongol en face. Il est sorti du virage complètement en face de moi. Ouais, ça a été chaud, hein, parce que j'ai failli me Je l'encastrer. n'ai pas compris. Oh, mais tais-toi, Google. J'ai failli me l'encastrer parce que j'ai bien vu sur la carte qu'il arrivait en face de moi. Mais après, il n'y avait aucune visibilité sur le virage. Donc je savais qu'on allait se croiser ou dans le virage ou avant le virage. Mais je m'attendais pas à ce qu'il arrive à cette vitesse-là et comme un mongol, quoi. Et du coup, bah forcément, il est sorti très très large du virage, vu qu'il n'était pas du tout à une vitesse adaptée pour prendre ce genre de virage. Et ouais, je l'ai vu d'un seul coup sortir et se retrouver face à moi. J'ai bien cru qu'on allait se rentrer dedans finalement. Et puis on a eu chaud. Mais bon, j'avais relâché, j'ai freiné. Je pense que si j'avais pas relâché, si j'avais pas freiné, parce que lui de toute façon, lui, je pense qu'il a rien fait. Hein. Lui, il a juste, voilà, hein, voilà, ça passe que ça casse. Mais je pense que si, ouais, j'avais pas relâché, freiné, on était bon, quoi. On a 15%, donc ça c'est normal, ça mesure. Préparez-vous à tourner à droite. Ouais, bah j'avoue, c'est chiant ça là, putain, punaise. Tournez à droite. Pourquoi ça bug ce soir là? D'habitude, ça bug pas, ça fait chier, ça me saoule. Ce que je disais en début de stream à Svania, c'est le problème des jeux PC, que t'as un bon PC ou que t'es pas un bon PC, il y a toujours quelque chose qui cloche. T'arrives jamais à jouer deux ou trois fois d'affilée correctement. Faut toujours qu'il y ait un moment ou un truc qui bug. Enfin, un moment ou un autre, pardon. Il y a un truc qui bug. Qui déconne, qui lâche, qui. Qu'est-ce que c'est chiant. Allez tout droit. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche.
Ok, ça. Pas très élevé, enfin, pas très élevé, on se comprend. C'est pas les vitesses qu'on a du côté de l'Arizona. Par exemple. Voilà, 105, ah, c'est bien. Et on est revenu dans le désert. La forêt n'a pas duré longtemps. C'est dommage, c'est agréable d'être dans la forêt. Pour une fois, j'ai des grandes lignes droites où on peut doubler, il n'y a personne à doubler. Quand il y a du monde devant moi, impossible de doubler, c'est interdit. Ça doit être fait exprès. Et hop, encore une fois. Alors, il est où le poste machin chose? Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Je vous ai dit, pendant le premier trajet, on s'en est pas tapé un Préparez-vous à seul. tourner à droite. Pas un seul, ils nous ont tous autorisé à continuer notre route. C'était sûr, pour le deuxième trajet, on se les bouffe tous. Là, Tournez à droite. tous ceux qu'on a croisés, on y a eu droit. Oh putain, ils font chier, en plus on peut pas rentrer par là, sérieux les mecs. Putain, la perte de temps là. Oui, bah, je vais l'arrêter, hein. Faut juste que je passe par l'entrée, mec. T'es gentil, mais.
Allez tout droit. Recalcule. On chie, lui. Sérieux. Préparez-vous à tourner à gauche. Non, je tourne à droite, mais... Tournez à gauche. Ah oui, à gauche, pardon. Recherche d'un nouvel itinéraire. Allez, go, go, go. Pas besoin d'essence, là, je peux pas besoin d'essence. C'est parti. Allez tout droit. À partir de quelle heure qu'on peut éteindre les phares sans se prendre un PV là? On verra bien les voitures qu'on croise en face, hein. Théoriquement ils n'auront plus les phares. Alors regardez, il y a un camion là-bas, je suis en train de le rattraper. Et ben vous verrez qu'on n'aura plus le droit de doubler. Bon.
113, donc ça a fusé. Allez, 900 bornes encore. C'est bien bon. Enfin, comparé à notre départ, on est d'accord. C'est parti. Allez, ouais, maintenant que j'ai plus d'élan, forcément on a le droit de doubler. Quand je vais récupérer mon élan, on n'aura plus le droit. Ce que je disais. Oh, sérieusement? Putain. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Deux
je vais regarder la carte là, parce que est-ce qu'il n'y a pas moyen de. Non, il n'y a pas moyen, je me dis que je vais un peu le faire. Ok. Ok, bon. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Allez, 130, c'est parti. Enfin, si on arrive à les atteindre et qu'il ne faut pas freiner au moment où on les a atteints. Connaissant le jeu, il y a des grandes chances pour que ça arrive. Allez tout droit.
Mais bon, on a fait de l'usure. Si on fait 730 bornes comme ça, nickel, hein. Mais bon, c'est pas, j'en doute, hein. Ouf, 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 ça c'était sûr. À un moment ou à un autre, il y aurait eu un accident, c'était sûr, c'est moi qui ai fait le con. Mais c'est bon. C'est enfin, c'est moi, mais les roues de cette remorque, elles sont vraiment. Allez tout droit. Trop sorties, j'ai l'impression. Tourner à 130. Oh, le premier poste de pesée qu'on peut passer sans s'arrêter, ça c'est cool. Ça. C'est chiant ça, putain, ça me le fait pas d'habitude, c'est m'énerve. Allez tout droit. Oh putain que c'est chiant.
Nous, c'est intéressant avec de la vitesse et tout, et ben non, faut que ça. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Oh, c'est saoulant ça.
Même l'autre jour que j'ai stream et que j'étais en multi, j'ai pas eu ce problème. Merde, deux jours. Je vais faire dodo bientôt, quoi. Tenez la gauche. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Wesh wesh. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Allez tout droit.
Bon, on va essayer de Il est temps l'atteindre. d'aller travailler. Allez tout droit. Allez tout droit. Tenez la droite. Alors, hop, hop, et vous m'excuserez, hop, il me semble que c'est ça. Non, je me suis mis à planter, on s'en fout. Hop, 2 secondes. Voilà, on a mis la pause. Juste 2 secondes, parce que là, ça m'énerve, donc. On va essayer de terminer le stream de manière fluide et sans que moi ça me casse les burnes. C'est la première fois que ça m'arrive où le jeu il déconne comme ça. Qu'il soit pas fluide, c'est pas la première fois, mais que ça déconne comme ça, alors qu'il est fluide, je ne sais pas. Là, j'avoue. Alors, on va attendre 30 secondes. Ouais, sinon, ça va bien vous? Tranquille pépère? Ça y est, on est au mois de juillet, c'est les vacances. Ça me perturbe un peu cette affaire-là, comme il disait tout à l'heure. Enfin, perturbe. C'est un bien grand mot. Donc c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir loupé. D'avoir loupé, quoi. Alors, ben voilà, maintenant qu'il veut plus s'arrêter ce jeu. Qui m'a fait encore.
On a le PC qui travaille à mort, on ne sait même pas pourquoi. Pas gâter hein, tout ça, hein, c'est moi qui vous le dis. Bon, en attendant, je vous laisse 5 minutes. Il va aller me chercher à boire. Et puis, c'est tout. Yep, oh, je croyais avoir ramené le micro, mais non, en fait, il est parmi. J'ai planté. Ah, et ça, on le remet. Pourquoi c'est parmi en route quand j'ai appuyé? Bon, bref. Alors. Alors, on est à quoi? Non, c'est bon. Ce niveau-là, c'est bon. Ce niveau-là, c'est bon. Et là, ben non, je ne sais pas, je ne sais pas, alors, voyons voir là.
On va regarder vite fait le délire. Le processeur, il travaille, mais on ne sait pas pourquoi. À cette heure, il me pète un délire. Alors, il va se calmer ou il va pas se calmer? Qu'on puisse finir tranquille. Ça m'arrangerait que ça se calme. Deux secondes, voyons voir si ça marche. Et puis on relance et puis on finit la mission. On est à 200 bornes de la fin. Hein, tranquille pépère quoi. Pardon. Bon, bah allez, on va relancer, on verra bien. Hop. Et hop, c'est parti. Allez, on est reparti, on reprend la route direct. On finit ça. Voilà, hop, dodo. Hop, on est samedi. Il faut arriver avant 10 h du mat, enfin entre 10 h du mat et 4 h 30 de l'après-midi. Normalement, ça devrait faire à l'aise. Il nous reste 200 bornes. Il est temps de prendre la route. À moins d'avoir un gros gros problème, on devrait arriver. Pas le plein. Normalement, on a assez pour. Ouais, normalement, on a assez.
Allez, c'est parti. Sérieux? Bah moi je veux bien mettre mon camion sur la rampe, t'attendras 2 secondes que je fasse le tour. Et voilà, et le stream n'est plus fluide. Impressionnant. Recherche d'un nouvel itinéraire. Elle est où du coup la rampe? Voilà. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Allez, go. Ah, je suis dégoûté quand même. Je la balancerai quand même sur YouTube. Il y a quand même une grosse partie qui a été fluide avec bon, quelques petits soucis. Je ne sais pas si c'était dû à quoi. Je sais pas si c'était bizarre. C'est la première fois que ça me fait ça. Je me demande si je vais pas changer de camion en fait. Si je vais pas racheter. Revendre celui-là et racheter. Ou peut-être que je le revendrai pas. Le garder pour un employé. On verra. Mais me racheter la version old school. Tenez la droite. Pourquoi tenir à droite là? C'est quoi ce délire? Putain, et lui il est obligé de freiner comme un mongol à cause de ça?
Oula. Oula. Du virage qui arrive là, va falloir pas rouler comme un mongol. Allez tout droit. Tenez la droite. Allez tout droit. Enfoiré. J'ai les flics en plus. Je te le jure. Tenez la droite. Oh, j'ai chaud là, le feu rouge. C'était chaud bouillant. Tenez la gauche, puis tournez à gauche.
Tournez à gauche. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Tu te dis qu'est-ce qu'on vient livrer un bateau en plein désert? Il n'y a pas de flotte ici, le mec s'en profitera jamais. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Tournez à droite. Enfin, nous y voilà. Et ben voilà, on est arrivé. Long voyage, il y a eu pas mal d'embûches techniques et non pas du, enfin, voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a gagné?
Okay. Okay. Okay, bon bah c'est pas trop mal. On a gagné des trucs sympas. Wally Wallo. Bon bah écoutez les gens, sur ce. Bon, on va se quitter là. N'est-ce pas? Je balancerai quand même le replay, parce qu'il y a quand même une grosse partie qui était fluide. Et tant pis, je laisserai la fin, qui est pas fluide, mais ça c'est pas grave. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé ce soir. Parce qu'on a fait plein d'autres streams, hein, d'accord, sur Eurotruck ou même sur, sur American Truck, à part le stream qui n'était pas spécialement fluide. On n'a jamais eu de soucis. On a même fait le stream il n'y a pas longtemps. On était en multi. Et il n'y a pas eu de soucis. Et là, ce soir, on n'a eu que ça. Je ne sais pas pourquoi. On n'a eu que ça. Mais on a eu la chance quand même d'avoir. Comment? D'avoir le stream au bout, dans la deuxième partie, en tout cas. On va dire qu'il y a eu trois parties. La première partie avec la première course, qui n'était pas fluide. La deuxième partie, qui était fluide. Et la troisième partie, donc la fin, là, qui n'était pas fluide. Mais dans la partie fluide, on a eu quelques bugs. Et ouais. On a eu quelques bugs. Bon, ben, voilà, hein. C'est la vie, ça fait chier quand même un peu, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, eh ben écoutez, hein, sur ce, on va se quitter. Et puis on se retrouve mardi prochain. Enfin, mardi, quoi. Si tout se passe bien mardi, peut-être avant, au cas où ça me prendrait que je décide de faire un stream. Sinon, ben ouais, non, sinon ça sera pas avant mardi. Voilà. Ok? Ok. Allez. Je vous laisse. Je vous balance la musique de fin dans quelques instants. Tchuss les gens. À la prochaine. Bye.